campi. Vraiment. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Des vieux batailleurs. Bale bapiga vita bazamani bale. Dieu les avait déjà vus. Mungu alikuwa sabaonaka. Des ramassis. Bakufuatilisha bafuasi. Qui venaient parce que mon frère est là. Bale balianza kuya juu ndugu yangu yuko hapo. Ils sont là seulement pour créer des problèmes. Beko hapo tu akuleta tu matatizo. Dans votre message c'est toujours comme ça. Ujumbe wenu ni paka vile ndio banasemaka. On fait ça, non. Tufanye quoi qui a pas. Tufanye quoi qui a pas. Toujours des problèmes. Même quand j'étais dans le monde, c'était bien. Attends, pas les quoi me douler, quoi pour la mesure. Des ramassis. Ma kufatilisha tu. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Des ramassis c'est comme ça. Ma foi, sinon vous qu'on a quoi. Pas de position. Abana na msimamo. Ndio. Dieu vous voit. Mungu anaweza kukuona. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Il ne doit pas vous chasser. Hawezi kukufukuza Mungu hapa. Il laisse. Anakuacha tu. Toi même tu dois fuir. Wewe peke utachikimbilia. Que Dieu nous bénisse. Même ici vous avez des gens comme ça. Attends, papa, papa, ils ne viennent pas encore ici. Si vous lui posez seulement la question, dans votre église, là, nous étions là. Que Dieu nous bénisse. Les femmes de Lot. Babibi ya Lot. Ici. Bekwamo. Dieu dit. Mungu anasema. Moïse. Moussa. Apana. Je ne veux pas de problème. Sitaki mambo. Allez, conduis le peuple là. Ongoza taifa mwinja mrefu. Ils vont contourner le pays d'Edom. Bazunguluke nje Edom. Et regarde. La distance. Moïse. Nous trouvons que. Nuna saa. Tu commences à blaguer avec nous. Unaanza kucheza na sie sasa. Avec ton Dieu là. Na ule Mungu wako ule. À 0 mètre. Hapa tu karibu. Tu veux encore partir d'ici. On a tout tossé tena hapa. Pour contourner. Tu te zunguluke. Ça c'est blaguer avec nous. Ici ni kucheza na sie. Qui ne connaît pas que nous aussi nous sommes des Lévites. Au Dieu kusema na sie tuko Balawi. Je vous assure. Na mihakikishia. La rébellion. Muntombosi. Commence avec une seule personne. Bunanzaka na mutu moya tu. Une seule personne. Un mutu moja tu. Toi je te vois tu es quand même. Courageux. Woko kwankamana. Mais des choses qui se passent. Mambo na kufanika na tu. Quoi frère? Nini ndugu yangu? Il y a d'autres choses que nous ne voulons pas parler parce que quand on va dire oh c'était bien dit. Atupendeke kusema tu batasema oh ni yeye ndio alisema. Non frère, frère, quoi? Apana ndugu ni nini kumbe? Tu donnes l'oreille? Unampa sikio? Il commence. Anaanza kukobeka. Je te vois quand même tieka. Mimi nakuona kama wewe utaweza. Nous ne devons pas nous laisser comme ça. Atuwezi kuchachilia hivi? Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans votre église? Unajua ile mambo yanafanyika kanisa yenu. Il se fait. Yeye anajitoshamu. Anajitoshamu sasa. Dans votre église. Kanisa yenu mule. Est-ce que vous voyez? Unaona tu. Il faut voir hein. Haifai kuangalia mzuri ya. Nous ne sommes pas ces gens. Si atuna bale batu yake. Non? Apana? Réveillez-vous. Lamuka. Il quitte. Anatoka. Il prend l'autre. Anenda kwa mwingine. Il forme un groupe. Anafanya kukakunji yake. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Des troubles commencent. Fujo inanza pale chini chini. Et voici seulement des erreurs. Bobo kunaona paka makosa. Avec des stylos rouges. Na makaramu mwekunda. Des stylos rouges. Karamu mwekunda. Que Dieu bénisse. Mungu atubariki. Vous allez prendre des fautes. Mutabeba makosa na makosa. Ira avec ça en enfer. Utenda nayo jehanamu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Moïse nous a importuné trop. Musa anatuuzi kabisa. On ne doit pas supporter. Ah, tutavumilia sasa. Nyet. Hakuna tena. Moïse. Musa. Ah, nous convenons. Sisi tunajenea. Tunasikilizana. Manduku, qu'est-ce qui est difficile là-bas derrière la chaire là? Nikini qui kumkuku mkongo wa mimbari hapa. Toi ici tu as étudié? Oui, sinon ulisoma. Tu es licencié. Uko licencié. Tu parles bien français. Unasemaka kwa lugha ya Kifaransa mzuri. Votre passé là. Mchungaji wenu. Les ministres qui sont là. Wale watumishi wako pale. Est-ce que même les pour dire les vous suivez? Tu as kusema tu le vile anaitaka là. Tellement pour lire la parole là. Juste tu as kusoma pale tu. Même des journaux quand nous lisons. Hata magazeti. Les gens sentent. Wakati tu unasoma. Qu'est-ce qui est difficile? D'ailleurs, toutes les prédications là, nous avons noté ça. Nous allons prêcher. Pietre Jacques, c'est un problème. Je peux aussi le faire. Je vous assure. Les tonneaux vides. Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Kelele nyingi kabisa. Il commence. Anaanza. Pasteur. Mchungaji. Je sens l'appel. Mimi nasikia mwito ndani yangu. Sana appel. Nasikia mwito.
Le pasteur dit, mchungaji anasema, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Attends d'abord. Ongojea kwanza. Eh, vous voyez? Mnaona? Vous voyez? Unaona? Hmm? Unaona? Ça devient sa chair. Inakuwa mimbari yake ye. Attends frère. Wewe ndugu ongojea tu. Ça commence ici. Oh, binanja makelele. J'ai demandé la chair. Oh, niliomba mimbari. Le pasteur un jour va dire. Mchungaji siku nyingine anasema, "Frère, vous m'avez dit que vous avez la peine." Ndugu uliniambia kasema kuna mwito, eh? Oui. Ndio. Bon, je vous ai aligné cette semaine ici. Sasa mimi nakupanga huko hiji mtahubiri. Vous allez nous prêcher. Utatuhubiri. Oui, Dieu l'a convaincu. Mnaona, Mungu anamhakikishia. Il m'a donné. Ananipa sasa. Lui-même va commencer à propager. Ni yeye cette semaine c'est moi. Ijuma ni mimi mtausikia. Venez, c'est moi. Mkuye ni mtahubiri ijuma. Il vient. Anakuya. Il commence. Ananza. Il lit. Anasoma. Vous voyez, frère. Mnaona banduku. Dieu a dit. Mungu alisema. Aimez-vous les uns les autres. Mpendaneni pamoja mwingine. Dieu a dit. Mungu alisema. N'ayez pas de problème avec les gens. Musikwe na mambo na watu. Oui. Ndio. Que Dieu ajoute la bénédiction. Mungu aongeze mabaraka. À l'écoute de sa parole. Kukusikia kwa neno yake. Deuxième jour. Siku ya pili. Bloqué. Fungwa. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Parce que je ne m'avais pas bien préparé. Mchungaji sikuwa umesha kujitayarisha mzuri hapa. Je vais remplacer quelqu'un d'autre. Je vais me préparer bien. Kama utaweka hapo mtu mwingine ahubiri kwanza nijitayarishe. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu na dada. Ici. Huku kumimbari. Tout ce que vous avez préparé là. Vyote wewe ulitayarisha tu. Ça va partir. Vitaponyoka vyote binenda. Ça va partir. Vitatoka vyote binenda. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est lui qui donne. Ni yeye kona leta. Il connaît les besoins de ses enfants. Mungu yeye ndiye anajua mahitaji ya watoto yake. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Notre Dieu nous aime, frère. Mungu wetu anatupenda banduku. Quand il vous a donné des ministres. Wakati alitupatia batumishi. Écoutez. Mubasikie. Ne soyez pas pressés. Musiwe haraka. Moïse. Musa. Moïse. Musa. Moïse était simple. Musa alikuwa tu mtu wa kujishusha. Mais les gens voyaient Corée d'Atan. Là, qui ne va pas Corée d'Atan? Ils vous parlaient beaucoup. Bago, mon assez machana. Jusqu'à tel point que les enfants de Dieu. Bago, mon kipi, mon bateau te montre. Semblait dire. Manafika, mon assez machana. Ils sont ceux qui ont la vérité. Kusema ni yaba ba Corée tunjo beko na kweli. Que Dieu le bénisse. Mungu atubariki. Moïse dit, mon Dieu. Musa rasema Mungu wangu. Mais vous? Ni wewe. Vous avez dit. Ulisema. Qu'on contourne le pays d'Edom. Tuzunguluke kwa incha Edom. Mais voilà. Sasa angalia. Tes enfants. Batoto yako. Ya di moi je ne chasse personne. Mungu anasema. Sifuku zake nisha kukuambia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est comme le problème de Gideon. Iko sa mambo ya Gideoni. Dieu sait. Mwamzi sura saba. C'est Dieu qui commande. Ni Mungu yuko na amuru. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Avant de monter ici lui-même a peur. Mbele ya kupanda kumimbari huko yeye peke yake anaogopa. Moïse avait peur. Je ne conviens pas. Aliogopa mimi sienee bwana. Moi je serai avec toi. Mungu anasema nitakuwa na wewe. Inafai Mungu awe na wewe. Gideon dit non. Gideon anasema hapana. Qu'est-ce que j'ai? Niko na nini mimi? Pour combattre ces gens. Tu ne combattis pas les battu. Moi je serai avec toi. Mungu anasema nitakuwa na wewe. Vous devez combattre ces gens. Unapaswa kugombanisha wale watu. Trop c'est trop. Binapita. Il rentre. Anarudia. Il dit à ses frères. Anaambia banduku yake. Dieu a dit de combattre ces Madianites. Mungu anasema tubakumbanishe bale bakaji bakumbanisha. Oh, c'est bien. Ni mzuri. Nous serons avec toi. Tutakuwa na wewe. Nous allons partir. Tutenda. Chacun se sentit capable. Kila mmoja alijisikia anaweza kwenda kugombana. Dieu regarde. Mungu anaangalia. Je ne veux pas qu'on aille tuer les gens qu'on dise que ils ont échoué. Anasema sipendi bende bakawe batu kule baseme banashindwa. Mais Gideon ne refuse personne. Usikatalie mtu. L'examen est là. Mtihani iko hako. L'examen est là. Kipimo kiko. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Gideon va dire préparez-vous. Oui. Gideon alisema mjitayarishe. Nous allons quitter. Tunataka kutoka. Ils sont préparés. Wanajitayarisha. Avec beaucoup de sensations. Na kuchangamuka kabisa kivukutu. Avec vos sensations là. Na ile kivukutu yako ile. Vous allez jouer beaucoup. Utasifu sana. Je conviens. Naelea. Je dois prêcher. Napasa kuhubiri. Des sensations. Kule kuchangamuka. En route. Munjia. Ils ont fait parfois
deux semaines, un mois, deux mois, pas de l'eau en route. La soif, kiu, dépassée. C'est là où Dieu voulait maintenant voir des véritables combattants. Arrivé maintenant devant la rivière. Sasa kufika mbele ya mto. Dieu dit, Mungu anasema, à Gédéon. Anamwambia Gideoni, mets-toi à côté. Wewe mama tu pembeni. Je vais te dire quelque chose. Napenda kukwambia ko kitu. On voit seulement Gédéon. Manaona tu Gideoni, allez se mettre quelque part. Anajikokota nyuma yabo pembeni. Il dit, vous voyez? Mungu anasema unaona? Tout celui que vous verrez. Ule wote utaona, venir directement. Anaenda mara moja de bouche dans l'eau. Anaenda kuinamia pa kinywa pa maji. Anaanza kunkunywa. Ce monsieur-là, ule mutu, mettez-lui de côté. Mweke pembeni. On a vu une ligne déjà. Mais c'est là que vous verrez venir. Ule utaona tu anafika ye. Ils vont lâcher comme des chiens. Anakunywa maji sa mbwa. À côté. Umweke naye pembeni wafile. Lui ne savait pourquoi Dieu lui disait ça. Gideoni hakujua Joni Mungu alimwambia vile. Mais il a vu cela s'accomplir. Lakini aliona ile mambo inatimilika. Ils viennent. Banakuya. Ils se jettent dans l'eau. Banajitupa mai. Ils viennent. Banakuya. Dans l'eau. Mumai. Dieu voit tout. Avant que tu puisses me parler, Dieu connaît toutes paroles, toutes pensées. Yako yote. Il les déplace. Après maintenant, kisa les sasa, hommes veillants, batu bavita, ils viennent. Basuja, banafika. C'est ça la rivière. Indio mtoni. Il écarte d'abord les jambes. Anapanua kwanza mikolo. La position. Anabamba msimamo. Avant de s'incliner. Kabla ya kuinama. Il regarde à gauche. Anangalia kushoto. À droite. Kume. Devant. Mbele. Derrière. Nyuma. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Après. Badaye. Anainama. Il bouge d'abord de l'eau. Anatengesa kwanza mai kutusa mabuchafu pale. Anatengesa. Il prend. Kisa anabeba mai. Lambula ya kulambula. Mungu atubariki. Nina enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. L'eau c'est quoi? Maji ni nini? La parole de Dieu. Neno yake Mungu. Ne doit pas prendre en désordre. Haiwezi kubeba neno ya Mungu na fujo. C'est quoi? Ni nini? Qu'est-ce qu'il me dit là? Ni nini unaniambia pale? Sayungu. Biko wapi? Gejeni benisa. Mungu atubariki. Yakona lambula. Gideon dit, allez, vous à côté. Gideon anasema ale moye mwende ingambo. Maintenant je pose la question. Sasa nauliza ulizo. Devant ici, il n'y a pas encore de l'eau. Mbele yetu hapa kuna tena maji. Maintenant c'est la guerre. Sasa hapa ni vita. Qui sont en mesure? Ni banani bataweza. De combattre. Kwenda kugombana. Sans tenir compte de leur soif. Bila kukumbuka tena kiu yabo. De l'eau nous fortifie quand même. Mai, natupatia kwa nguvu. Il dit que pas question de l'eau. Unasema hakuta kwa maji kule unaenda. Ah non. Hapana kumbe. Ah. Hapana. Le choix est. Chaguo iko wazi. On a vu les gens. Baliona watu wengine wanaanza kurejea, kurudia. Je ne peux pas souffrir comme ça. Sita, pourquoi? Sitaenda kuteswa vitu ya nini? Bana rejea bo. Les pays sont restés. Kidogo bale wakia. Sont partis avec Josué. Banenda na. La victoire était sortie là-bas. Na Gideon na ushindi kule balipata. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dieu ne vous chasse pas. Mungu hawezi kumifukuza. C'est ce qui était ici. Ni ile ilikuwa pale. Pas question de chasse. Mungu anasema sitofukuza mtu. Les a laissé. Alibaacha. La distance seulement. Safari tu burefu ya safari. Ils ont commencé à dire n'importe quoi. Bananza kusema kanya hapo mbele. Sasa ndiye adi. Ni pale Mungu alisema sasa. Moïse. Musa. Sois attentif. Uwe msikilivu kabisa. Vous allez faire seulement deux pas en arrière. Wewe utafanya hatua tu mbili kurudia nyuma. Deux pas. Hatua mbili tu. Tu comprends? Unasikia? Vous devez vous séparer avec ce genre. Unapaswa kuachana na bale batu bale. Moi même je vais terminer avec eux. Mie peke nitamaliza na abu haba. Ils étaient là, on voit seulement Moïse. Banaona tu Musa balikuwa pale. Anakata hatua moja. Gael jeji en arrière. Mungu akisema nyuma. En arrière. Ni nyuma unarudia tu. Akisema mbele. Yeah. Songa mbele. Qu'est-ce qu'il veut faire? Manangale Musa anataka kufanya nini tena? Il veut prendre la position pour nous combattre. Anapenda kwamba msema mtu tugombane naye je. Moi je ne combat pas. Si goma nake na mweye. Geje ni benisa. Mungu atubariki. Séparez-vous avec quelqu'un qui ne fait pas la parole de Dieu. Tenge na mtu la sisi neno ya Mungu.
Même si c'est votre frère. Attends, c'est qui? Ah ouais, nani. Il a écrit autre chose. Allez, amine, non, c'est parce que mon frère. Oh, c'est ni sel. Ni dada. Séparez-vous, c'est la mort. Ça, nana, ni loufoule, et je le bénis. Quand Moïse a fait ça. Wakati Musa le reja nyuma, et ceux qui étaient avec Moïse. Bale, bale, kwa Musa, ils ont fait aussi comme nabu, ça. Nyuma. Votre pasteur dit que ça c'est faux. Ibi ni bongo. Ah, il n'a pas encore oh. Dit. Oui, assez à son mabadou mchungaji. Même frère Branham dit. Attends, Branham anasema. Je suis Christ. Nafuata Christu. Bom. Sawa. Moi-même, je suis Christ. Mimi peke, niko Christo. Niko nafuata Christo. Vous dites quoi? On a sema je. Ce n'est pas Branham qui a dit il est Christ. Ana Branham alisema ko Christo. Il faut lire. Vous refusez comment? Il n'a fallu que ce monde ne gâte la je. Chez eux, il y en a sema. Votre passé là. Mchungaji wenu. Il vous ment aujourd'hui. Ego ne milanda leo. C'est lui-même. Niye pek. La plénitude. Boutele boake ndani. Dans Branham. Ndani ya Branham. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Séparez-vous de ces gens. Mchitenge na batu baile haina. Quand ils se sont séparés, les miracles sur miracles. On n'a pas pris une pêche. On a vu seulement la terre que vous gonflez là pour toi. S'ouvrir. Vous avez l'histoire. Et je ne sais pas. Ils sont entrés. Seulement celle-là. Qui avait dit que pour nous, ce qui est difficile à l'homme, c'est facile à notre Dieu. Nous allons arriver. Que Dieu nous bénisse. C'est là où l'homme de Dieu a prêché un sermon intitulé La robe d'occasion. La robe d'occasion. Oui, frère. Apana. Occasion, je profite de cette occasion. C'est ce que c'est un combo. Hein? Que Dieu nous bénisse. C'est entré maintenant. Hein? Hein? Ce n'est pas un combo. Il y a un zaman, il y a pas la robe d'occasion. Basta. La robe d'occasion. Cette occasion-là. Il est bâti. Le Bernard dit. Nous Bernard Nasema. C'est une robe. N'kanzo. Même si tu es géant. Attaque comme refou. La robe est courte. N'kanzo est mufupi. Tu dois tout faire pour devenir court. On n'a pas souffert yote we ou quoi mufupi wenemo. Pour te convenir là. Tu wenemo mule n'kanzo. Si la robe est longue. Comment n'kanzo est comme refou. Faites tout. We fanya yote. Pour devenir aussi, pour convenir. Si toi tu es masse, la robe, kanjo kidoko. Il faut gêner. On a pas si kufunga chakula tu. Devenir mince. Uwe mwembamba pour convenir. Kusudi wenemo ndani. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Vous devez seulement suivre là où Dieu a déjà dit. On a pas ce qu'on fait même si tu forces ici, tu ne dois pas entrer. Ataka mon appétit à parler où t'as ingi à mon goût fouyako. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Il a déjà dit pas ici. Mungu alisema apa apa na. Vous faites des problèmes avec Moïse pour rien. On a fanya mambo na Musa biabu. Est-ce que c'est sa parole? Je ni sauti yake Musa. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Oh non, on ne doit pas accepter ça. Oh si tu t'as ibi. Les femmes de Lot. Bibi wa Lot. Qui désire encore l'Égypte. Banatamania tena kurudia Misri. Dieu Mungu ne change pas ça. Habadilishe neno lake. Il vous a dit ne regardez pas de. Alimiambia msitazame nyuma. Vous regardez encore derrière. Wewe ungali unatazama nyuma. Les deux trois frères. Moi je passe toujours par des exemples. Venez. Mimi napita kwa mifano banduku mkuye. Jeune frère, venez. Ndugu kijana ule mkuye. Il doit s'ajouter. Nani atajiongeza? J'ai dit trois. Nilisema batatu. Nous voulons voir. Tunapenda kuona. Ce qui s'était passé du temps de l'autre. Ile ilifanikana mwile wakati ya Loti.
Nous allons contourner ce mât ici. Tu t'as sur le cap à tout. Alignez-vous comme ça. Mon Dieu, pas en prenons que. Tu en es que la première fille de l'autre. On est bintu à quand tu as l'autre. Deuxième. Bintu à pili. Et maman l'autre. Na maman moyenne l'autre. Mais ce sont des hommes. Là, qui n'y a pas de banaume. Dieu nous bénisse. Quoi, tu vas dire l'autre derrière. L'autre moyenne baba et conyuma. Des prophètes. Nabi. Retiens ce que Dieu avait dit. Mwenye anachunga kile Mungu alisema. Il va communiquer maintenant dans sa famille. Anaenda sasa kubambia ba familia yake. C'est l'homme qui communique. Ni Bwana yuko anatangaza. La femme doit répondre à ce que l'homme communique. Na mwanamke anapasi kujibu kukubali kile Bwana anamwambia. Mais enfant votre papa n'aime pas ça, n'aime pas ça. Batoto babenu apendake hivi apendake hivi. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dieu nous a dit nous allons sortir. Mungu alituambia kusema tutatoka. Que personne ne regarde derrière. Usijawa kuangalia nyuma. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Marchons un peu. Donc, moi, je suis bien pour le pôle. Maintenant, l'autre va dire à sa femme. L'autre, elle m'a même dit que chérie, Mpenzi. Dieu a dit Mungu alisema, que personne ne regarde. Contournons ici. Nyonga huko. Que personne ne regarde. Nyuma. La femme dit Bibi anasema. Ça fait quoi ni bitafanya nini? Si je veux regarder, ça comme fait quoi bitafanya vous restez avec votre Dieu là. Na wena Mungu wako. Non. Apana. Vous avez oublié. On est sabu. Vous avez oublié. J'avais beaucoup d'amis là-bas. On a sabu kusema nilikuwa na marafiki ba mingi msodoma. Mes amis. Marafiki yangu. Vous me dites que je ne peux pas. Unasema siwezi kuangalia kwa mkongo. Pourquoi? Tu ya nini tu? Non. Apana. Qui a dit? Mungu anasema. Que personne ne regarde. Usikuwa kuangalia kwa mkongo. Allons seulement. Twende mbele tu. Allons. Twende tu. Moi je vais regarder. Mimi nitaangalia lwangu. Moi je vais regarder. Nitaangalia lwangu. Pour finir. Mwisho wa yote anageuka. Simama pale. L'autre était resté là. Bibi, l'autre est baki à parler. L'autre était resté là. L'autre est baki à parler. On doit se séparer. On n'a pas ce kwachana. Comme tu as brisé la parole de Dieu. Je te laisse. Je te laisse. Na kwachana mie. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Ndio namuna ile na watoto ya Mungu beko. Ce qui nous a réunis ici, c'est la parole de Dieu. Ile natukusanya hapa ni sauti ya Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Tu fais le contraire. Oui, on a fait un truc inhumain. Je te laisse aussi. Na kuacha pembeni. Tu vas rester comme la femme de l'autre. Utabakia sawa mke wa loti. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Il est bon. Ni mzuri. Notre Dieu est bon. Mungu wetu ni mwema. Nyake le viola. Ni paka bale bankanka. Qui avait accepté de contourner. Benye balitika kuzunguluka. Pour arriver. Tu baende baingie. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. De Corée, de Tatana, d'autres. Balibakia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est pourquoi, frère. Ndio sababu ndugu yangu. Le premier jour, j'ai dit. Siku ya kwanza nilisema. Tirez attention avec des propos. Mukebe ange na masemo. Parce que tu l'as dit. Sabu fulani anasema. Moi aussi j'ai dit. Na mimi nitasema vile alisema. Non. Apana. Les gens qui ont cru à des choses de la grâce infinie. Bale baliaminia bile bitu binahusu neema ya sio mwisho. Ils ont beaucoup de propos. Beko na masemo mingi kabisa. La grâce infinie. Neema ina na mwisho. On peut tout faire. Tunaweza kufanya vile tunataka. Kuko nini? Kuko nini? D'ailleurs. Kwanza. Si on dit de Vierge Paul. Comment ça clever pumbavu? C'est nous. Ni sie. Sasa. Nous irons. Tutaenda na sie. Qui vous a dit ça? Nani alikwambia vile? Ici dans le message. Umu mwi ujumbe. Si tu es Vierge Paul. Kama ukubiria mpumbavu. The war. Inje utabakia. Si tu es ici. Kama uko hapa. Yeji das. Wewe uko Judas tu. Judas. Tu es Judas. Uko Judas. Tu es en train de trahir Dieu. Uko unamsaliti Mungu. Trahir la parole de Dieu. Unaisaliti neno ya Mungu. Judas était parti où? Judas alendaka wapi? Nyonga. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dans le message de vie. Mujumbe ya uzima. Il trahissait. Il a trouvé sa place. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Coré. Dans le véritable message. Mujumbe ya kweli. Il était arrivé. Il fika. Judas. Il fika Judas. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Avec son groupe. Na kunji yake. Parti. Anaenda. Que Dieu nous bénisse. Nous, nous devons tourner le regard vers Dieu. Tu n'as pas ça comme ta famille à payer que Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Ça c'était la voix des enfants d'Israël. Il quoi ninjia ya batoto Israël. À cause de l'impatience. Kwa ajili ya kutokuvumilia. Ils ont trouvé la mort. Balipata kifo. Ils ne voulaient pas suivre la voie que Dieu avait. Habakutaki kufuata ile njia Mungu alibatayarishia.
Je vous dis quelque chose ici. Amisomea mo kitu kingine humu. Vous aimez ça? Mnapenda hiyo? Vous êtes fatigué? Mnachoka? Oui, pourquoi il fallait que ça soit le berger? Mumobiri naitwa ndio, kwa nini ilifai bawe paka bachungaji? Pourquoi? Juu ya nini? Écoutez ce que Dieu dit ici. L'homme de Dieu dit. Mkisikie kile mtumishi wa Mungu anasema humu. Elema je suis dans 153. Aya 153 na 3. De 64. Hein? Et remarquez qu'ils étaient pleins de la voix du bardier. Ils étaient pleins. Ils étaient pleins. De plaindre. Ce fut la raison pour laquelle il mourit. Pourquoi? Nous ici. C'est à pas. Tu nous dis de tout. On a tombé tous sur le tena. Eh bien, Natena. Écoutez attentivement maintenant. Musique na usikilivu sasa. Ne manquez pas ces quelques dernières remarques. Musikose maonyo ya mwisho hii. Ils se sont plaints. Bale bali nungunika. Qu'est-ce qui a fait qu'il meurt au désert? Ni nini lifanya bakufe mujangwa? C'est parce qu'il s'était plaint au sujet de la voie pourvue par Dieu. Isabu bali nungunikia ile njia Mungu alitayarisha. Consistant dans le message d'un seul homme. Enye ilistahili ndani ya ujumbe ya mtu mmoja tu. Un prophète. Nabii mmoja. La conduite par un seul homme. Mwenendo kuongozwa na mtu mmoja. Dites-moi. Muniambie. Quand Dieu a jamais utilisé un groupe de gens. Wakati gani ile Mungu asatumikishaka kundi ya watu? Pour qu'il conduise. Juba ongoze. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Même dans nos maisons. Hata mu manyumba yetu. Yake une seule tête. Ni kichwa kimoja bure kinapaswa kuongoza. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Ce n'est pas l'homme dit ça. Aina Bwana anasema hiki. La femme aussi dit. Bibi naye anasema hapana. Pourquoi? Juu ya nini? Moi je veux ça. Mimi napenda hiki. Tu n'as pas encore compris. Ni kusema bado haujaelewa. Dieu t'a donné la tête. Mungu alikupa kichwa. Pour que tu puisses écouter. Juu upate kukisikia kile kichwa. Sinon tu vas mourir. Bila ile utakufa. L'homme va tourner seulement les dos. Wakati mwanaume atageuza mkongo tu. Tu vas commencer à propager. Utaanza kwenda kuzambalisha mambo. Pour qu'il conduise. Juba ongoze. Vous ne trouverez pas cela dans la Bible. Amutapata ile mambo mbiblia. Un seul homme. Ni mutu moja tu. La parole venait à Moïse. Neno ilianza kwenda ni kwa Musa Dieu tu. Dieu communiquait seulement à Moïse. Mungu alianza kumtangazia Musa. Ba kore data et autres. Haikuwa kwa kore data na bengine. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est pourquoi mon frère, ma sœur. Ndio sababu ndugu yangu na dada. Il y a beaucoup d'attention. Mukebe yange sana. Notre Dieu nous aime. Mungu wetu yeye anatupenda. Restez-vous seulement derrière la parole de Dieu. Mubakie mpaka kumkongo ya neno ya Mungu. Dieu va vous aider. Na Mungu atamisaidia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Maintenant, vous m'avez dit que vous aussi vous êtes Israël. Sasa mliniambia kusema na mwe mkubwa Israeli. Ça c'était Israël en chair. Huyo alikuwa ni Israeli katika mwili. Dieu aussi a une voix pour l'Israël en esprit. Mungu yuko tena na njia nyingine ya Israeli wa kiroho. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Voyons. Tuone. Vous avez l'habitude. Vous connaissez ça. Mais Dieu va vous montrer quelque chose. Mnaijua mzuri hii lakini Mungu anapenda kumionyesha mo kitu kingine. Voilà la voie que Dieu a pourvue pour l'église. Ile ndio njia Mungu alitengeneza juu ya kanisa. Comment vous appelez ça? Pyramide de la stature de l'homme parfait. Ok. Vous avez dit quoi? C'est vrai. On ne voit pas. Très bien. Oui, c'est quoi? Stature d'un homme imparfait. Hein? Parfait. Un homme imparfait. Mutum kamilifu. Vous tous, c'est stature d'un homme parfait. Moi, bote njo feeling, kusema ni mutum kamilifu. Parfait veut dire quoi? Mutum kamilifu kusema nini? Veut dire quoi? Inamaanisha nini? Hein? Oui. Juste autrement.
on peut dire encore saint. Que Dieu nous bénisse. Autrement, on appelle encore, à part la fille des noms parfaits, on appelle comment? Pyramide. Autrement, c'est ma kungine tena. Vous connaissez seulement pyramide. On a dû appeler pyramide qui m'a tout comme il faut. De tout. Kunaisha. Ajoutons maintenant autre. Donc c'est quoi kungine? Oui. Hein? Quoi? Triangle. Ajoutons autre. Merci pour votre Sante appellation. Santé yako. Tongue autre c'est la maison de. La maison de. De Dieu. Nyumba ya Mungu. Là où Dieu doit habiter. Mule Mungu anapasi kuikala. La maison de Dieu. Nyumba ya Mungu. Dans la maison de Dieu, il y a quoi? Nyumba ya Mungu mnikalaka nini? On a placé quoi? Manaweka nini? Imani. Tave quoi? Il y a quoi? Tave verti. Munakuwa uwezo. Il y a quoi? Ufahamu. Tave connaissance. Il y a quoi? Tempérance. Kujizuia. Ya kwa. Uvumilivu. Ya kwa. Utawa. L'amour fraternel. Mapendo ya kindugu. Connaissez tout. Ici nous allons mettre quoi? Roho Mtakatifu. Ici ya. Amour parfait. Très bien. Qu'est-ce qu'on a mis ici? La justice. Waki. Ici, il y a quoi? La sanctification. Utakaso. Ici. Le baptême. Baptiso Rom Takatifu. Pour les enfants de Dieu. Eh, ni tu as batoto ya Mungu. Pour cet âge. Baiki kizazi. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. En commençant de Pierre, Paul. Kwanzia Petro, la voie pour vivre pour les enfants de Dieu. Dieu le Mungu aliteresha jo batoto ya Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Notre Dieu est bon. Mungu wetu ni mwema. Il vous a donné la voie. Anamipatia na njia ya kufuata. Mais voilà les corée data. Sasa ngaleni ba corée na ba data. Nous nous voulons entrer seulement par ici. C'est tu l'appelles kupitia paka pa baptiser Roho Mtakatifu. C'est que vous nous dites là. Bile umungu natuambia kule. Tadiru buku. Bina manisha kabisa. Bina kawia. Me dites, oh, 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 non. La voix de Corée. Dia ya Kore, data, ya data, Abirama, Abiram, avec son groupe, nankunzi yabo, de Branamadie, Branamumungu, de touristes, mabenye kwa mini mungu, seconde venue, kuja kwa pili, nouvelle lumière, nurumupia, grâce infinie, neema ya sio mwisho, mapinduzi. Nous ne voulons pas ça. Si atutake hii njia ya Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Ici, qui sont ici? Ni banani beko kule ku njia ya Mungu. Je vois toute l'église. Naona kanisa yote. Ici n'y a personne. Huko hakuta kwa mtu atamwe. Ah, vous mentez. Hongo mko mnalanda. Vous mentez. Huko mnalanda. On va vous voir là-bas. Tutamiona kule kwa ofisini. Vous commencez déjà, vous êtes en retard. Oh, msha kuchelewa mweye kubarabara kule. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Parce que pour aller, il faut avoir le Saint-Esprit. Juu ya kwenda inafai kwa na Roho Mtakatifu. Et on dit, na Boba nasema, nous voulons d'abord le Saint-Esprit. Sisi tunapenda mbele tupate Roho Mtakatifu huku chini. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Voilà maintenant la position du Saint-Esprit de Dieu. Sasa angala ali ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Et le Saint-Esprit des hommes. Na Roho Mtakatifu wa batu. Le Saint-Esprit de Dieu vous amène où? Roho Mtakatifu wa Mungu anempeleka wapi? Oui. Wapi? Mais ça. Lakini ile yuko ni misusa wapi? Corée data, ils sont là-bas. Judas, na Judas a chini. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Quand vous allez laisser la voix de Dieu, wakati utaiacha tu njia ya Mungu, tu ne dois pas arriver. Hautafika kule unaenda.
Soyez toujours les yeux fixés vers Dieu. Muwe na macho yenye kumtazamia mia Mungu kila mara. Vous allez arriver. Na utafika mwele na muna. Dieu n'est pas bête. Mungu ana nyama. Voilà même la position. Angalia hata hali yenye ya picha vile iko. La base est comment? Msingi uko na nini? Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Même si on va vous bouger. Hata kama batakutekesha. Ha, un homme costaud. Mtu imara pale. Il ne doit pas bouger. Hautatikizika. Bien posé. Uko bien mwenye kusikamana. Commencez d'abord par la foi. Kwanza na imani. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. La foi vient de quoi? Imani inatoka kunini? Oui. Kunini? On entend de quoi? Tunasikia nini? Quand vous laissez la parole, ukiacha tu neno ya Mungu, vous allez croire à des choses autres. Utaamini vitu vingine. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. La foi. Imani. Que vous devez combattre. Enyo unapaswa kugombania. Nous devons combattre pour cette foi ici. Tunapaswa kuigombania hii imani. C'est Jude qui a dit. Ni Yuda alisema. Au commencement, mwanzo, il n'y avait pas tout ça. Hakukwaga hivi vitu vyote. Mais ça vient d'où? Kumbe binatoka wapi leo? Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Combattons pour la première fois. Kumbe kwa ile imani ya kwanza tuigombanie. Que Dieu avait là. Ile ilikuwa kule. Tu vas réussir. Utaweza. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Mais, lakini bo haba. Le Saint-Esprit doit se poser sur ça. Roma takatifu anapaswa kwenda kuikala yulu ya msingi. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est ici. Ni pale pa msingi. On dit la justification. Pale panakwambia kuhesabiwa haki. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. La justification. Kuhesabiwa haki. Quand vous avez écouté la parole. Ukiisha onza neno. Ya la foi entre. Imani inaingia. Tu vas poser la question. Utauliza swali. Qu'est-ce que je dois faire? Sasa hapa mitafanya nini? J'ai écouté. Nishasikia. Je sens. Nasikia ndani. Que c'est une vérité. Ya kama ni kweli. Qu'est-ce que je dois faire? Kisa hii nitafanya nini sasa? Même ce matin. Hata asubuhi. Mon frère, ma sœur. Yangu na dada. Pose aussi la question. Qu'est-ce que je dois faire? Ujiulize wewe ulizo sasa nitafanya nini hapa? Pour ceux-là qui ont déjà posé cette question. Kwa wale basi ulizaka hii ulizo. Ils ont déjà la réponse. Basha pata jibu zamani. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Vous qui êtes venu ici pour la première wewe fois. Wewe ulikuwa mara yako ya kwanza. Si vous sortez. Ukitoka. Il va répondre. Utaenda kusamba. Ils ont posé la question à Pierre. Bali muliza Petro ulizo. Qu'est-ce que nous allons faire? Hivi kumbe tutafanya nini? Nous t'avons écouté. Tulisha kukusikia. C'est une vérité. Hii unasema ni kweli. Nous allons faire quoi? Sasa tutafanya nini? Repentez-vous. Anamwambia mutubu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous devez d'abord vous repentir. Munapaswa kutubu kwanza. Que Dieu nous bénisse. Watubariki. Repentez-vous. Tubuni. Après. Na kisha. Soyez baptisés. Mubatiziwe. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Et non au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Sio mjina ya Baba Mwana Roho Mtakatifu. Et non au nom de Branham. Sio mjina ya Branham. Au nom de Frank. Mjina ya Frank hapana. Au nom de Kajima. Mjina ya Kajima hapana. Au nom de Kimbangu. Mjina ya Kambangu hapana. Non. Hapana. Au nom de Jésus-Christ. Mjina ya Yesu Kristo. Qui va accepter ça? Ni nani ataitika ile? Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. D'abord la foi. Kwanza imani inawekwa. On a posé la base. Banaweka msingi. C'est ce que Dieu veut de nous. Ni kile Mungu anatutakia. C'est la voie que Dieu a pourvu. Ndio njia Mungu alitayarisha. Vous devez vous convenir dans la robe d'occasion. Unapaswa kuenea mwile nkanzo ya bahati. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le temps nous manque. Mokati natukosa. Verti. Uwezo. On a placé. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé vertice. Mungu kuweka ile uwezo biabule bila sababu. Vous êtes déjà enseigné ici. Musa fundishwa juu ya ile. Mais. Lakini. Cette vertice. Hii uwezo hii. Dieu. Mungu. A pris ça. Aliibeba. Il a subdivisé. Anaigawanya. Il a placé ça. Anaiweka. Dans la femme naturelle. Mwanamke wa mwili. Que Dieu nous bénisse. Amen. Chaque femme naturelle. Mwanamke wote wa asili. Dieu a placé cette vertu. Mungu alibeba ile uwezo na itia ndani yake. Dans trois. Mubipande tatu. C'est pourquoi vous voyez. Ndio sababu mko naona. Parlons de la virginité. Tunasema bubikira. C'est quoi? Ni nini? Une vertu sacrée. Ni uwezo takatifu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dieu a placé la féminité. Mungu aliweka mo hali ya kike. Dieu a placer encore la maternité. Na Mungu aliweka mbuzazi. Vous avez dit que vous voulez aller au ciel. Mnasema mnapenda kwenda kumbingu. C'est ça non? Si ndivyo. Sir. Dada. Vous allez aller au ciel. Mnapenda kwenda kumbingu. Oui. Ndio. Que Dieu nous bénisse. Mungu ambariki. Dieu. Mungu. A placer ça. Aliweka mbuzazi ndani. Ndani yako. Une femme. Mwanamke tu. Typifie l'église.
Ana mfano wa kanisa. Yeye ni benisa. Kwa tubariki. C'est une église. Ni mfano wa kanisa. C'est pourquoi. Ndio sababu. Vous verrez. Utaona. Dieu qui a placé la parole. Ule Mungu aliweka neno. Dans l'église. Mkanisa. Dieu a placé le Saint-Esprit. Anaweka mna Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit va là où il y a la véritable parole de Dieu. Roho Mtakatifu kwa ndipo pale kwa neno ya kweli ya Mungu. Ce n'est pas une parole fomentée. Sio neno ile basa changachanga. Hybride. Yenye kuchangachanga. Non. Hapana. Dieu a placé la prière. Mungu aliweka mna maombi. Yeye ni benisa. Mungu atubariki. C'est une force. Ni nguvu hii. Mais lakini quand Dieu voit. Mungu akiona. Dans sa fille. Ndani ya binti wake. On ne peut pas considérer le verdi ici. Ah, si bébé, na faida ile mawezo ile. Je n'aime pas. Mungu hataki. Je n'aime pas. Mungu hataki. Je condamne. Mungu anakatala. Tout celui yeyote ule. Qui ne peut pas prendre en considération ce que Dieu a mis en lui. Hataki kubeba na mafaki ile Mungu alitia ndani yake. Yeye ni benisa. Mungu atubariki. Mes jeunes frères. Ndugu yangu vijana. Mes jeunes sœurs. Mabinti ndugu zangu. Direz beaucoup d'attention. Mukebe yange kabisa. Vous qui êtes ici. Mwebale mko hapa. Ce matin. Asubuhi. Dieu. Mungu. Vous demande. Anamiomba. De considérer d'être verti. Kubeba na mafaa ile mawezo. Tout celui. Yeyote ule. Qui ne veut pas respecter Dieu. Ataki kumheshimu Mungu. Qui veut marcher selon sa pensée. Anataka kujiongoza kufuatana na mawazo yake. Il veut pas tourner le regard vers Dieu. Ataki kumtazamia Mungu. Pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Tu ajue Mungu anasema nini. Dieu ne sera pas pour toi. Mungu atakuwa upande wako kamwe. Yeye ni benisa. Mungu atubariki. Nous devons faire beaucoup d'attention. Tunapaswa kukebanga kabisa. C'est pourquoi il est demandé à nos sœurs. Ndio sababu inaombwa kwa dada yetu. De veiller beaucoup. Mukese kabisa. Juu ya nos jeunes sœurs. Juu ya batoto bana mke. Vous avez des petites sœurs de sœurs à la maison. Mungu na babinti kwa nyumba. Vous ne savez pas. Hamjui. Comment est-ce que cette fille là se comporte? Namna ule kijana yuko anajiongoza ule binti. Parce qu'on a dit. Sababu anasema. Aujourd'hui. Leo. Nous allons fêter, nous avons obtenu nos diplômes. Tunapata vieti vyetu. Vous voyez des jeunes sœurs. Taona mabinti. Une chrétienne. Mukristiani lakini. Se laisser. Anachachilia tu. À cause des diplômes. Kwa ajili ya cheti anapata. Entre les mains des jeunes garçons. Anajata mumikono ya kijana mwanaume. Nos collègues. Rafiki wa masomo. On commence à s'embrasser. Bananza kukumbatiana. Non, c'est la dignité. Hapana, ile ni busharati tena. Yeye ni benisa. Mungu atubariki. On t'embrasse. Bana kukumbatia. On profite. Bana onea mo. Les mains sur les seins. Mikono kwa masiba. Nous avons obtenu. Tunapata. Nous avons obtenu. Tunapata. Nous avons obtenu. Tunapata. Les garçons là-bas. Ule kijana ule. Yeye ni benisa. Mungu atubariki. Et c'est ton mari. Je ni mume wako. Les rendez-vous s'accomplissent là-bas. Mama kusikilizana mpaka pale kunatimilika. Mnalakana. Mais vous allez répondre. Mtenda kusamba. Yeye ni benisa. Mungu atubariki. Parce que tu as mis une force en toi. Sababu Mungu asaweka nguvu moyo ndani yako. Yetini au pied. Ile yenyewe wewe unafinyanga kwa miguu. Akishasa. Kukinchasa. Il y avait un mouvement qui avait commencé. Kulikuwa chama moyo ilianza. Des jeunes filles. Babinti tu. À cause de cette vie difficile, les parents ne savent pas surveiller. On laisse tout se faire. Kubacha tu banafanya bile banataka. Chacun pour soi. Kila mmoja kwa lwake. Tu te débrouilles aussi. Unajitafutia na wewe. Tu trouves ton pain. Unapata mkate wako. Ah, tu manges. Unakula. Même si ton frère est là. Hata kama ndiko yuko hapa. Tu t'occupes seulement de toi-même. Unajishughulikia wewe peke. Et vous voyez des jeunes sœurs qui babinti. Vont se mettre parfois au long de la rue pour mendier. On te voit sortir parfois dans votre voiture. On te voit sortir parfois dans votre voiture. Elle s'approche. Parfois elle s'est habillée de leur manière. Tonton. Nazangi transport. Nakosa makuta ya kulipa njia. Personne à nous. Unisaidie eko. Combien? Ngapi? Non. Moyo kupesa ngai wapi? Ile tu utanipatia wewe moyo. Sawa. Okay. Isoro. Anatosha. Parfois tu donnes 1000 francs. Unampa kwa mfano 1000 francs. Elle prend seulement cet argent. Ye ataibeba tu ile 1000 francs. Et te regarde. Ana kuangalia. À ton âge ici. Anakuambia sasa hii kipimo yako tu. Ya mon âge. Na kipimo yangu hii. Tu me donnes 1000 francs. Unanipa 1000 francs. Mais toi tu m'as demandé les transports. Oh, uliniomba kwa tu ya kulipa njia. Hein? Ah. Tu me donnes
de l'argent. On y peut m'acouter. Je t'ai déjà donné. Mais ne sais-tu pas dire. Laisse-moi partir. On y a tenu de. Par où? On est dans. Frère, viens. Donc, couille. Viens. Couille, frère. Je t'appelle, non? Donc, ben la couille. Tu ne pars pas. À où t'enda? Tu me donnes de l'argent. On y peut m'aller m'acouter. Laisse-moi. On y a tenu. Ah, je vais te laisser bien. Donne-moi de l'argent. On y peut m'acouter. Qu'est-ce qu'il y a? Nini Kumbe. Tu vas savoir aujourd'hui. Léo Tachoua. Tu vas savoir. Otachoua. Et un moment donné. Qu'est-ce que ça? Vous verrez des jeunes garçons. Otaona Babiana Bengine. Des voyous. Ba voyous. S'approcher. Bananza Kouya. C'est quoi? Nini. Voyez-moi ce papa ici. Angalieni ou Yubaba Touyou. Tu n'es pas encore tonton. Aoudna Tela tonton parle. Voyez-moi ce papa. Angalieni ou Yubaba Touyou. À mon âge ici. Et qui peut moyen oui. Nous sommes allés avec lui. Tu n'es d'anaye. Il a terminé ses besoins sur moi. Ana maliza lazima yake juu yangu. Maintenant il me donne 1000 francs. Sasa ananipa 1000 francs tu. Hein? Ah. Papa yo za bolole. Uko pumbafu. Hein? Uza bolole. Uko pumbafu. Tu avais demandé combien? Uli momba ngapi? 50000. Nilimomba 50000. Eh, donne lui 50000. Umpe tu 50000. Moi? Mie huyu. Quand? Ya wapi? Ah, tu vas savoir. Utajua leo. Sinon on va t'amener à la police. Kama para batakupeleka kituo cha police. Violence. Unabaka, mbakaji. Encore la honte. Unapata haya. Il n'y a pas encore la honte. Parle tena kuna haya. Une jeune fille. Binti. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est pourquoi. Ndio sababu. Surveillons. Mubachunguze, mubachunge. Comme conseil que frère Abraham donne ici. Sawa vile shauri ndugu Branham anatupatia hapa. Avoir soif de la vie. Kuwa na kiu ya uzima. Écoutez, sœur et frère. Musiki ndugu na dada. Je ne voulais pas vous blesser. Sitaki kumiumiza. Vous les jeunes gens. Mwe babiana. En parlant de ce que vous appelez vos loisirs. Mukuita ile mko naita kusema furaha. Je n'aimerais pas vous blesser. Sitaki kumiumiza. Je vous aime. Na mipenda. Mais. Lakini. Jeune sœur. Bijana. Vous êtes jeune. Uko kijana. Vierge. Bikira. Et vous n'avez jamais été dans ce genre de fête. Na uja indaka bo makaramu yale na muna. Et commencer cela une seule fois. Uanze tu mara moja. Et ces chiens de maître de l'enfer. Na bale ba umbwa bale ba mungeana ba mujayanamu. Vous tomberont dessus. Batakulukia. Ils vous dépouilleront de toute votre moralité. Batakuvunyanganya heshima yako yote. Et vous ne serez qu'une, peu importe combien vous vous repentirez. Na hata kama unatubu mara ngapi. Combien vous essayerez de revenir. Namna gani unaweza kurudia. Cette marque vous suivra jusqu'à votre tombe. Amen. Ile alama itakufuata paka na mkaburi. Tenez-vous loin d'eux. Éloignez-vous-en. Mbakimbie. Dieu a de quoi avoir soif pour vous. C'est lui. Oule. Il donnera satisfaction. Oule ataeka. C'est Dieu. Lui là, c'est Dieu. Oule, ni Mungu. Et ces choses seront tellement mortes que vous n'entendrez même pas parler. Na ile kiu itakufa munamuna ila utasikia hata habari yayo. Sœur, vous suivez. Nade munafata. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dernièrement, toujours à Kina. Masiku ya nyuma tupa ukinchasa. C'était passé même dans des informations. Ilipita taku magazeti kumabari ya nchi. À cause des fêtes des écoles. Kwa ajili ya karamu ya shule. Une fille de 13 ans. Binti wa miaka 13. 5 garçons. Babiana 5 banaume. Sire elle. Banamuishia. Oh, nous allons akize. Oh, tunaenda mustake. Oh, kule. Déjà tard. Mambo ishapita zamani basha muharibisha. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Tire beaucoup d'attention. Mukebe yange kabisa. Dieu. Mungu. Ne fait rien pour rien. L'église doit rester vierge. Kanisa inapaswa kubakia bikira. Vous êtes ici enseigné. Mko hapa benye kufundishiwa. Mais vous allez écouter encore d'autres choses pourquoi? Lakini mwenda usikia tena vitu vingine juu ya nini? Ni sera pas encore vierge. Hautakuwa tena bikira. Yeye ni benisa. Mungu atubariki. On va te dévierger. Batakuharibisha kubikira. Tu commenceras maintenant à poser des questions avec des doutes en toi. Utaanza sasa kuuliza maswali na shaka ndani. Yeye ni benisa. Mungu atubariki. Le temps, nous profitons aussi que nous avons ici la féminité. Pourquoi Dieu a nini Mungu a mis ça. Aliwekale akike. Il voulait voir ses filles. Alipenda kuona babinti yake. Les enfants de Dieu. Batoto ya Mungu. Garder leur position initiale. Benye kuchunga ali ya mwele ya mwanzo. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Quand il avait créé. Wakati aliumba. Dieu n'avait pas commis d'erreur. Mungu akufanyaka makosa. Amen.
Amen. Tout ce que Dieu avait, yote Mungu alifanya. Eh bon. Bilikuwa sawa kabisa bia kupendeza. Dieu, Mungu a créé selon sa volonté. Aliumba kufatana na mapenzi yake ye. Il a demandé à Dieu ici. Ni nani alimulizaka Mungu hapa? Et moi j'aimerais être homme. Kusema mimi napenda kuwa mwanaume. Il y a quelqu'un ici. Peko eko hapo hapa. Qui avait dit à Dieu non. Ule alisemaka Mungu hapa. Crée-moi un homme. Uniumbe mwanaume. Ana hapo. Qui avait demandé à Dieu que moi je préfère être femme. Nani alimubaka Mungu asema napenda kuwa mwanamke mimi. Il y a quelqu'un ou quelqu'un ici. Eko hapo hapa. Gardons la position de Dieu. Kumbe tuchunge hali yenye Mungu alitumba nayo. Quand Dieu vous voit homme. Mungu akikuona mwanaume. Il est content. Anafurahi. Quand vous voit femme. Akikuona mwanamke. Il est content. Anapendezwa. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est pourquoi il a placé cet esprit ici, la féminité. Ndio maana aliweka ile uwezo ya kike. Question et réponse. Ulizo na jibu. Si la Genèse. Kwa mambo inahusu mwanzo, kitabu cha mwanzo. Commence 48. 48. Et alors Dieu prit de son côté une partie de lui. Mungu akabeba upande wake kipande kyake. Une côte. Mbavu. Et fit une femme. Na akamfanya mwanamke. Bon, où prit-il l'esprit de la femme? Ile roho ya mwanamke alibeba wapi? Voyez-vous? Naona. Quand Genèse 1:26. Wakati Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 16, anasema, faisons l'homme à notre image. Tufanye mtu muuso wetu. Selon notre propre ressemblance. Mwenye kutufanana. Il le créa. Akamuumba. Homme. Mwanaume. Mâle et femelle. Dume na mke. Il prit pour l'homme un esprit. Il fit pour l'homme un esprit rude. Akamfanyia mwanaume roho ya nguvu. Il fit l'esprit féminin tendre. Akafanya roho ya kike ya teketeke. Humble. Ya unyenyekevu. Et délicat pour la femme. Na ya kupendeza ya kusikia juu ya mwanamke. 49. Kumine na kenda. Et quand vous voyez une femme. Na ukiona mwanamke. Agir comme un homme. Et quand vous voyez une Et quand vous voyez une femme ukiona mwanamke agir comme un homme anafanya vitu kama mwanaume voyez-vous unaona elle est sortie ule alitoka de sa position du commencement pa fazi yake ya mwanzo voyez-vous unaona très bien sawa elle est censée anapaswa je pense que c'est une honte nazania kusema ni aya que les femmes aient perdu leur délicatesse mwanamke bapoteze ile hali yabo ya kike leur place de femme fazi yabo ya mwanamke c'est une disgrâce ni aya kabisa aibu je vous l'ai dit namiambia c'est une honte ni aya vous savez mnajua je vais dire ceci napenda kusema hivi bon sawa je ne parle pas de vous femmes qui êtes ici siseme na mwe banamke mko hapa que Dieu nous bénisse Mungu atubariki l'esprit dit ce n'est pas vous femmes qui êtes ici roho anasema haina mwe banamke mko hapa parce que vous êtes derrière la parole de Dieu sababu mwe mko nyuma ya neno ya Mungu vous vivez la parole de Dieu mko mnaishi neno ya Mungu mais lakini quand vous regardez mukiangalia de ce qui se passe mambo ile kunafanikana avec d'autres femmes na hapa banamke mengine c'est une vérité ce que l'homme de Dieu est en train de dire ni kweli mtumishi wa Mungu yuko anasema hapa C'est une disgrâce. Ni aibu. Je vous l'ai dit. Namiambieni. C'est une honte. Ni aya. Vous savez. Mnajua. Je vais dire ceci. Napenda kusema hivi. Bon, je ne parle pas de vous femmes qui êtes ici. Sawa, siseme na mwe banamke mko hapa. Mais. Lakini. Bien sûr. Ndio. Si ça blesse. Kama inaumiza. Ça blesse. Inaumiza tu. Oui, quand je parle comme Wakini ça. Nasema hivi. Il y a d'autres sœurs qui sont blessées. Mko badada bengine banaumizwa ndani. Si ça blesse. Kama binakuumiza. C'est la parole de Dieu. Ni sauti ya Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'est pour notre bien. Ni jua mzuri wetu. Ça fait mal. Binaumiza. Mais ça nous guérit. Lakini natutunza tena. Mais écoutez. Lakini msikie. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Muniruhusu nimiulize kwa kitu kimoja. Les femmes étaient d'habitude si féminines. Mutabia banamke balikuwa na hali ya kike. Que lorsque un homme se mettait à leur parler. Wakati wote mwanaume akianza kuongea naye, elle rougissait. Alikuwa na ngoroma kabisa kukasirika. Oui. Ou bien pleurer. Alikuwa analia. Vous voyez la sœur. Unaona dada? Ses larmes qui sortent. Machozi yake yanatoka.
Mais aujourd'hui, Léo, tu veux dire quoi? On attaque ce manin. On va te fouetter. Bah, t'as coupé la fimbo. Tu as oublié. On est ça, la parité. Parité. Mais ici on dit que les femmes d'autrefois rougissaient. Oui, de toute façon. Est-ce que rougir? Il y a si longtemps que je n'ai plus vu cela. Comme aujourd'hui, c'est difficile, tu ne peux pas encore voir ça. Si bien que je ne saurais même pas ce que c'est. Si une femme rougissait, elles n'ont plus cette dignité. Elles n'ont plus ce tendre esprit féminin. Voyez, elles font n'importe quoi. Elles ne sont que, elles peuvent, elles s'habillent comme les hommes. Avec des culottes, avec des pantalons, devant les hommes. Vous voyez cette femme-là prendre sa tête, yake, elle fait des clipites. Elles peuvent s'habiller comme les hommes, elles se coupent les cheveux comme les hommes, fument et boivent comme les hommes, girent comme les hommes. Que Dieu nous bénisse. Tout ça, vous les voyez. Ils ont perdu leur place. Mais ce n'est pas pour la fille de Dieu. Qui tourne les regards vers Dieu. Que Dieu lui conduit. Elle ne fera pas. Pourquoi il y a d'autres qui le font? Parce qu'elles ont tourné les regards dans le monde. Vous voyez, il y a des femmes autres qui essayent ça dans leur maison. On le refuse de porter, ça fait quoi? Le mari au travail, elle reste dans sa maison. Faire des gymnastiques. Si on a des grands miroirs là, comme place, elle va prendre les pantalons de son mari. Aujourd'hui, je vais voir si ça va aussi me convenir. Dans la maison là-bas, elle porte. Quelle chemise? Ça doit me convenir bien. Elle prend. Anabeba. Anavala. Elle sentir. Msipikani. Elle ajoute aussi. Anaongeza hapo. Avec ses souliers. Na viatu vyake anavala. Elle est dans la maison. Eko mnyumba ndani. Déjà, elle a communiqué les enfants. Kwanza pala sasa kumbia batoto. Si vous voyez votre papa. Mkimona baba yenu anakuya. Bete sema mama. Usema tu mama. Mitajua mnyumba ndani. Oh, je veux savoir. Mitajua. Que Dieu le bénisse. Mungu atubariki. Les enfants de sentinelle. Batoto banzamu inje. Elle à la maison. Ye mama mnyumba ndani. Le défilé commence. Ma défilé inaanza mule ndani, inaanza kutembea kupima. Elle regarde. Anajangalia huko kwanza kitoko. Elle retourne. Anarudia tena. Pourquoi? Juu ya nini tu vile? Ça me convient. Inanienea na mie. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. L'homme vient. Bwana nakuya. Homme, il y a des sentinelles là-bas. Sasa kubanzamu inje. Mama. Mama. Papa ne doit pas savoir. Baba ye hata jua. Quand on a dit papa, elle est à la maison. Vite. Araka. L'homme entre. Comment tu transpires comme ça? Depuis que je suis resté. J'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé parce que on a tumika sana juu. Le défilé. Il est moindre le kufanya mnyumba. Kwenda na kurudi. Ça va comme ça? Binendeka hivi. Je vais voir. Taona sasa. Elle va au marché. Anaenda musoko. Elle va acheter cola, c'est pour n'importe quoi. De cola. Anaenda kuza na eka cola kake. L'homme ne connaît pas. Bwana sijue. Maintenant elle vous tente. Sasa anakupima, anakujaribu. Vous êtes assis. Musa kuikala. Elle entre dans sa chambre là. Anaingia munyuma mule ndani. Elle s'habille. Anavala ka cola yake. Elle prend le pagne. Akikwembe. Ici. Anaweka yulo. Elle vient passer là où vous êtes. Anakuwa kupita pale huko. Quand tu regardes, oui, on a un galia. Rose.
vois ça? Nini l'onovoile. Quoi? Nini tena. Hein? Nini. Quoi? Nini. Nini. C'est quoi ça? Kale. Nini. Si j'ai fait quoi? Mina fanya nini kumbe. Moi j'ai porté les pagnes. Mimi na fala kikwembe. Hein? Où est le mal? J'ai porté les pagnes. Pourquoi pimsa fala kikwembe? Mwena mwenye. Tout le monde qui porte ici. Bale pote bana fala kaumu. Moi je ne fais pas ça. Mais c'est à que ville. Ce n'est pas la parole de Dieu. Elle est ressortie à Mungu. Je suis parti où? Mine na nabio wapi kumbe? Dans la maison. Munyumba tuumu. Dieu n'est pas dans la maison. Mungu ana munyumba. Hein? Ah. Tu tonnes. Unaongoroma unafoka. Hapana. Bipar. Unaenda. On enlève les pagnes. Anatosa kikwembe. Maintenant c'est dans la parcelle. Sasa ni mulupangu munyu unazunguluka lwa. Je pars où même? Je suis dans la parcelle. Mine nda wapi? Mimi nazunguluka mulupangu yangu. Les voisines. Bajirani ba pembeni. C'est bien, non? Kitoko. Vous aussi. Na mwete na. Moi, je ne suis pas dans les histoires là. Mimi sina mbele bimabitu yabo byakule. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Ça sera difficile pour faire enlever ça. Bitakuwa nguvu kutoshe. C'est un esprit déjà. Ni roho inesa ingia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Pour avoir essayé. Je vais kupima tu. Ça reste. Inabakia lote. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dieu sait pourquoi. Mungu anajua sababu. Il a habillé la femme de sa manière. Alimuvalisha mwanamke mnamuna yake. L'homme de sa manière. Na mwanamume anamuvalisha mnamuna yake. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. D'autres pour attenter la soif. Bengine juu ya kutuliza kiu. On fait porter les enfants, les jeunes filles. Eko na valisia mubake batoto. C'est ton esprit. Ni roho ile uko nayo wewe mama. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Notre Dieu nous aime. Mungu wetu anatupenda. Gardons nos places. Tuchunge tufazi yetu kila mtu palwake. La femme veut devenir homme à partir de la tête jusqu'au pied. Mwanamke anapenda kwa sababu mwanaume kuanzia kukichwa mpaka na kumiguu. Ta on a dit pas ne portez pas si vous lisez dans Deutéronome 25. Ngisoma kumbulo matora 22 sura 5. Même à l'homme on a dit ça. Ata mwanaume naye bali mwambia. Quand vous lisez, ukisoma, pour gagner le temps là-bas, tu as combattu avec Wakati. Vous allez me donner 10 minutes. Comme tu n'as pas attaqué Kakumi. Quand nous lisons, tu kisoma. Parce qu'il y a d'autres qui ne lisent pas, pasteur. Mais il y a pas seulement que nous. Makumi mbili na mbili. Suivez bien. Fuate mzuri. Kumbukumbu la Torati. Pasteur, lis vous-même là-bas. Mchungaji peke yako. Parfois chez moi ici, on va dire non. Soma mule. J'ai placé. Pengine mi batasema mimi ndio mimi nabiweka amu. Mwanamke awezema. Je dis un habillement. Mavazi. Un habillement. Mvalio. Oui. Wa kiume mwanamke awezi. Na mwanaume hawezi kuvala mavazi ya kike. Vous avez suivi la différence? Unasikia achanisho? Vêtements, mavazi na mvualio. Mungu atubariki. Pour l'homme. Kwa mwanaume ye. C'est interdit de toucher aux vêtements des femmes. Bana mkataza kuvala mavazi ya mwanamke. À la femme on a dit habillement. Kwa mwanamke kwa anasema mvualio tu. On a pas dit vêtements. Abaseme mavazi. Dieu connaît. Mungu anajua. Dit que la femme est tirée de l'homme. Anasema mwanamke alitoka kwa mwanaume. Mais la femme. Lakini mwanamke. Peut prendre les tissus. Anaweza kubeba konguo. De ce que j'ai ici. Hii sahi niko nayo ya suruali hapa. Faire sa jipe. Unafanya jipe yako. Que Dieu nous bénisse. Sketi. Parce qu'il est tiré de moi. Sababu alitoka kwangu. Anaibeba. Les tissus ici. Hii nguo tu. Faire de jipe. Anaishonyesha. Faire sa robe. Fanya nkanzo yake. Il n'y a pas de problème. Pale hapana mambo. Mais à l'homme, lakini mwanaume yeye. Tu n'es pas tiré de la femme. Au kutoka kwa mwanamke. Ne prenez pas ce qui est de la femme. Usibebe ile ya mwanamke. C'est la parole de Dieu. Ni sauti ya Mungu. Ne faites pas ça. Usifanye vile. Oh c'est bien même si ça se voit aux yeux bien. Hata kwa macho inaonekana mzuri. Mais ne touchez pas. Lakini usiguse. Faire les pantalons, faire des chemises. Ne faites pas ça. Usifanye ya bikwembe. Quand vous suivez on a dit c'est quoi? Kama unafuata ça. Ukiendelea na kusoma wanasema nini utafanya hivi? Abomination c'est quoi? Machukizo ni nini? Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Un jour, siku moja, le train quittait Ilebo. Mashua ilianza kutoka Ilebo pour Kananga. Juu ya kwenda Kananga. Il y avait dans ce train là une vieille maman. Mwile mashua ya moshi mulikuwa mama moya mzee. Il allait pour se faire soigner. Alianza kwenda kujitunzisha kwa hospitali. Comme dans les trains, il y a beaucoup de gens. Savile mu mashua mulikala kwa watu ba mingi.
Il avait refusé des mouvements aussi. Il avait préparé un petit bidon de 3 litres ici. Quand il sentait des crachats, il mettait là. Mais un monsieur, des gens que nous appelons les Yuda, déjà ivres, il vient. Anakuya. Ça, c'est quoi? C'est la boisson. Nini ni pombe? Analokota. Anakuno. Vous avez fait quoi? On a fait nini? Bounia. C'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu fait quand vous continuez sa parole. Dieu fait sa parole. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Ce n'est pas bien, frère. Abina bizuri nduku. Quand Dieu a dit, ne faites pas ça, ne Mungu faites pas ça. Akisema musifanye hivi, musifanye. Vous voulez vous rendre des hommes pourquoi? Munapenda kutufanya kwa banaume juu ya nini? Dieu merci parce que Mungu asante sababu. Vous avez un bon serviteur de Dieu. Mungu na mtumishi wa Mungu mzuri. Parce qu'il est dit. Dieu inasemewa. Si vous entrez dans une église. Ukiingia tu mkanisa. Gardez ce côté. Angalia tu ngambo ya badada huko. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki mzee. Vous voyez? Non. Des femmes en chapeau. Banamuke na makofia. C'est la parole de Dieu. Ni sauti ya Mungu. J'attaque ça maintenant. Le fruit de l'homme qui réfléchit. Kanyongea mtu leko nafikiri. Si vous réfléchissez. Kama uko nafikiri. Selon la parole de Dieu. Fatana neno ya Mungu. Il ne le fera pas. Hautafanya hivi tena. 81. 81. Comment se milieu là-bas? Donc, pas le si c'est ce qui est levé. Comme ni bila nataka. Il a dit. Anasema. Eh bien. Sawa. Élevé, c'est couper les cheveux. Anataka kujinyoa nywele. Alors il a dit. Kumbe anasema. Alors qu'il les rase complètement. Aikate tu yote basi. Il a dit. Akungule anasema. Nous savons qu'il est honteux. Tunajua kusema ni haya. Pour une femme. Kwa mwanamke. D'avoir la tête rasée. Kwa na kichwa kiasho nywele kianye kukungula. Il a dit. Anasema. Alors. Kumbe. Qu'elle se voile la tête. Ajifunike kichwa. Et sa tête. Na kichwa yake. Et sa chevelure. Na nywele yake. Et son voile. Ndio pazia yake kitambala. Et son voile. Kwa un chapeau. Et son voile. Kwa un chapeau, madame. Mm-mm, si. Messieurs, on a écrit messieurs. Mm-mm, madame. Sio kofia, dada. Hein? Le même esprit là insiste encore. Il est roté dans la société. Oh, il est venu pour. C'est la parole. Ali quoi, tu n'as pas tonani? Ni sauti ya Mungu. Le Dieu de cet âge mauvais. Mungu waiki kizazi kibaya. Où les femmes n'aiment pas garder leur place. Mule banamuke bapende kuchunga fazi yabo. Oh, vous dites. Oh, munasema. Je porte un chapeau. Na voilà quoi, kofia. Commencez ici. Oh, vous dites, je porte un chapeau. Nasema na vala kukofia. Mnafiki wewe. L'esprit condamne les serviteurs de Dieu. Hapa roa Mungu ana hukumu batumishi ya Mungu. Les pasteurs. Bachungaji. Ce sont des hypocrites. Ni banafiki. On dit, enseigne quoi? Manasema ufunche nini? Qui doit enseigner? Qui doit enseigner? Les pasteurs. Ni mchungaji anapasha fundishe. Enseigne. Ces femmes. On ne sait plus bien namuna kwa banamuke. Bali yo Biblia nasema nywele yake ilimupewa kama vile kitambala. Sio kofia, kofia ile mtu alifanya. Ndio kile Biblia nasema. Même moi ce matin j'ai sina na mziko wa mambo ya asubuhi ya leo. Niko na mziko wa kusema kweli tu. La responsabilité de vous dire seulement la vérité. Kumiambia kweli. Si vous maïssez, c'est votre problème. Chukia ni mambo yenu, chauri yenu. Ne soyez pas malhonnête. Mushikwetu. Ne soyez pas malhonnête. Mushikwetu batu bajanja.
mukuharibisha neno ya Mungu. Oui. Parce que mon église aime ça. Vous allez répondre. Troisième, les choses qui sont à venir. Je ne vais pas lire. Que votre. C'est ça qui vous somme. M'tunga dit que c'est somme. Ni mambo inahusu tu mtu afanye kitu moja. Imitation. Makufatilisa fatilisa. Moi j'ai fait la couleur rouge. Mimi fanya makunda. Vous suivez. Wewe unafuata. Unatoka kwa gari Chevrolet unaenda kwa Ford. Na abawezi kuivumilia. Ni wakati ya kufatilisa fatilisa hii. Inafai tu mwanamke mwenge mkanisa na kofia ya aina fulani na utaona bote sasa anafanya vile ule alifanya moya asa zaidi kama ni bibi wa mchungaji la femme du pasteur porte vous allez nous dire quoi bibi wa mchungaji anafala mtatuambia sasa sheni qui vous a dit que la femme du pasteur c'est votre modèle nani amemsabia mchungaji ndio mfano wenu. Ah, c'est votre modèle. Ndio mfano wenu. Votre modèle c'est qui? Mfano wenu ni nani? Yesu Kristo. Suivez ce que la parole de Dieu vous dit. Mufuate kile neno Mungu inaniambia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Retournons. Turudieni tu. Tournons les regards vers Jésus. Tumtazamie Yesu. Il a de bonnes nourritures. Eko na chakula tamu. Qui aime cette nourriture? Ni nani anapenda hii chakula? Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. C'est bien. Ni mzuri. N'imitez pas les femmes de ce monde. Musifuatilishe banamke ba hii dunia hii. Nous nous sommes un peuple à part. Sisi tuko taifa yenye kuwekwa pembeni. On nous a dit de sortir. Bali tuita kutoka. Tuko na mfano wetu ni neno ya Mungu. Ne suivez pas personne. Usifuate mtu yeyote. C'est pourquoi Dieu dit. Ndio sababu Mungu anasema. Tunende regard vers moi. Munitazamie tu mimi Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. La maternité. Uzazi. Ni kuwa na mapendo ya malezi. Aujourd'hui, leo il n'y a pas encore la maternité chez les mamans. Hakuna tena kuzazi hata ndani ya mama. Bien qu'on va mettre au monde. Hata kama anaweza tu kusala. Les enfants négligés. Batoto na basula lwake. Là où les enfants vont. Kule watoto wako naenda. Non. La maman ne s'intéresse pas. Mama yake asijue lwa. On peut laisser l'enfant 2 ou 3 jours sans se laver, sans le laver. 2 ou 3 bila kumunawisha mai. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Là où les enfants dorment. Kule watoto wako lala. On connaît. Baba, mama jui. Doit-il sur votre mousse les enfants abandonnés sur des moustiquaires. Quand il sera président de la République, c'est moi qui suis son papa. Mindio baba yake. C'est moi, mama yake. Honte. Aya yako. Que Dieu nous bénisse. De même aussi avec l'église. L'église doit veiller sur ses enfants. Kanisa n'a pas question de dire ma vie privée. Tu quittes ici. Hapa, tu te retrouves à Lubumbashi. Unenda Lubumbashi. Ton pasteur ne connaît pas. Mchungaji wako ajue. Tu trouves un problème. Le pasteur. Unapata mambo kule njoo naanza kuita. Sasa mchungaji tu es parti ton pasteur avec. Wakati ulienda mchungaji wako ajua. Ne cache rien à vos conducteurs. Musibafiche kitu baongozi benu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu na dada. Si vous êtes touché. Kama unaguswa. Là vous êtes. Pale huko. Ne me voyez pas moi. Usinione mie. C'est ton Dieu qui te parle. Ni Mungu wako anazungumza nawe. Dieu vous aime. Mungu anamependa. N'a jamais aimé la mort d'un pécheur. Ayapendaka lufu la mtenda zambi. Qui veut mourir? Nani anataka kufa? Qui veut aller au ciel? Nani anapenda kwenda kumbingu? Ok. Sawa. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Inclinons maintenant nos têtes. Sasa tuinamisha vichwa yetu. Les enfants de Dieu. Batoto ya Mungu. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu na dada. Dieu vous appelle. Mungu anakuita. Vous avez écouté sa parole. Unasikia neno yake. La voie que Dieu a pour vie. Ndiye ile Mungu alitayarisha. Pour aller au ciel. Juu ya kwenda kumbingu. Comme c'était les enfants d'Israël. Sawa vile ilikuwa na batoto wa Israeli. Ce matin. Asubuhi. Vous venez de voir ça. Unatoka kuiona. Qui veut suivre la voie de Dieu? Nani anataka anapenda kuifuata njia ya Mungu? Qui veut prendre la position de Dieu aujourd'hui? Nani anapenda kuwa ngambo ya Mungu leo? Que ça soit un frère ou une fille de Dieu. Iwe ndugu wala binti wa Mungu.
il soulève seulement son doigt. Anyose mkono wake tu. Aujourd'hui, kusema leo, avec Jésus-Christ, na Yesu Kristu, nous sommes un. Tunakuwa mmoja. Je dois être baptisé en son nom. Napaswa kubatizwa katika jina lake. Merci mon frère là-bas. Asante ndugu yangu kule. Soulevez bien votre doigt. Nyosha mzuri mkono wako. Qui autre? Nani mungine? Il a besoin de salut. Anahitaji wokovu. Je vois deuxième frère là-bas. Naona ndugu wa pili. Oh, notre Dieu merveilleux. Oh, Mungu wetu ni wa ajabu. Nani mungine? Avant des frères. Tuko na bandugu mbili. Ils ont pris la décision. Barababa mupango. De suivre le Seigneur Jésus-Christ. Wakumfuata Bwana Yesu Kristo. Ne tardez pas. Msikawie. Vous ne savez pas. Haujui. C'est votre occasion aujourd'hui. Troisième main. Pengine leo ni siku yako. Mkono wa tatu. Mungu akubariki. Frère, passez devant. Ndugu mpite kumbele. N'attendez pas. Usisubiri, usingoje kufa. Voilà votre temps. Wakati yako ni leo. Il a besoin de vous. Mungu anakuhitaji. Ce n'est pas pour rien. Haina tu ya bure. C'est Dieu vous a appelé. Mungu anakuita. Soulevez votre main. Nyosha mkono wako. Au nom de Jésus-Christ. Mjina Yesu Kristo. On va vous baptiser. Tutaenda kukubatiza. Ce n'est pas au nom de l'homme. Sio mjina ya mtu. Ça sera au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Itakuwa mjina ya Bwana wetu Yesu Kristo. L'auteur du ciel. Mwenye mbingu. Le véritable commandant. Kamanda wa kweli. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu na dada. Dieu t'attend. Mungu anakuongojea. Tu sais pas. Haujui. Là où tu es. Pale uko. Dieu te voit. Mungu akona kuona. Tu ne peux pas te cacher. Uwezi kufichama. Mais si tu résistes seulement. Sasa ukizama tu. Dieu va dire. Mungu atasema. Moi je suis prêt pour lui. Mimi niko tayari juu yake. Lui va refuser. Leo ananikatala. Où es-tu, ma sœur? Uko wapi dada? Tu es où? Uko wapi? Dieu uko wapi? Dieu t'appelle. Mungu anakuita. Frère, ndugu, venez. Njoo. Tout le monde que vous voyez ici. Wote mko naona hapa. Ils ont été aussi baptisés. Nabo bali batiziwaka. Soulevez seulement votre main. Wewe nyosha mkono wako tu. Dieu sera pour toi. Mungu atakuwa wako. Arrangez votre vie mon frère. Tengeneza maisha yako ndugu. Maintenant. Ni leo. Que vous allez utakuwa choisir votre direction destination. Utaenda kuchagua fazi yako utaenda. Ma sœur, dada. Dieu t'appelle. Mungu anakuita. Dieu t'appelle. Mungu anakuita. Soulevez votre main. Nyosha mkono wako. Ne restez pas. Usibakie. Parfois en sortant comme ça. Pengine pa kutoka tu hapa. Je ne sais pas ce qui vous est réservé. Aujue kile kinakuchungiwa. Qu'est-ce que tu vas dire? Utasema nini? À peine même d'écouter la parole de Dieu. Kisa tu kusikia neno ya Mungu. Tu veux manquer le ciel. Unapenda uikose mbingu. Les choses du monde. Tu habitu ya dunia. Pour la honte. Tu ya haya. Me voyez moi ici. Unabanioni mimi hapa. Passer devant. Kupita mbele. Non. Hapana. Ne voyez pas l'homme. Usione mtu. Voyez votre Seigneur Jésus Christ. Ona Bwana wako Yesu Kristo. C'est lui qui vous appelle. Yeye anayekuita. Venez mon frère. Njoo ndugu yangu. Venez ma sœur. Njoo dada. Venez. Njoni. Venez. Njoni. Qui autre? Nani mungine? Tu dois s'ajouter. Nani atajiongeza? Qui doit s'ajouter? Nani atajiongeza? Nous avons trois frères. Tuna banduku tatu. Venez. Mkuye. N'ayez pas la honte. Musione haya. Si vous avez la honte du Seigneur maintenant. Mkiwa na haya ya Bwana leo. Ce jour-là. Ile siku. Ah, il va aussi avoir la honte. Naye atamionea haya. Pour témoigner de toi. Tu as kumkumbuka. C'est maintenant. Ni sasa hivi. Que tu dois prendre du côté de Jésus-Christ. Unapaswa kuwa upande wa Yesu Kristo. Mon frère. Nduku yangu. Ma sœur. Dada. Voici votre temps. Muda wako ni huyu. Dieu vous appelle. Mungu anakuita. Dieu vous appelle. Mungu anakuita. Venez. Njoo. Venez. Kuya. Dieu a besoin de vous. Mungu anakuhitaji. Il vous aime. Anakupenda. Vous restez. Unabakia tu. Pour la honte. Juu ya haya. Pour dire que. Juu useme. On va me voir. Bataniona. Qu'est-ce que l'homme va vous faire? Mutu atakufanya nini? Qu'est-ce que l'homme va vous faire? Mutu atakufanya nini? Soulevez votre doigt. Unyosha tu mkono wako. Dieu a besoin de vous. Mungu anakuhitaji. Ne faut pas hésiter, frère. Haifai kusita ndugu. Mungu yuko nakuona. Mungu yuko nakuona. Tu te poses des questions. Unajiuliza maswali. Venez. Kuya tu. Dieu te t'appelle. Mungu anakuita. Il t'appelle. Anakuita. Sœur. Dada. Venez. Njoo. Venez. Kuya. Souvenez-vous. Kumbuka. Du temps de Noé. Wakati ya Noa. Noé faisait de la même chose. Noa alikuwa anafanya sawa sawa. Noé, Noah pouvait supplier les gens. Aliweza kubabembeleza watu. Venez vous cacher. Mkuwe mfichame umu ndani. Venez vous cacher. Mkuwe mfichame ndani. Vous avez l'histoire. Unajua hadithi mzuri. Vous voulez faire de la même chose. Unapenda kufanya sawa sawa. Venez. Kuyeni. Le temps. Wakati. Est devant de vous. Iko mbele yenu. Dieu vous attend. Mungu anamiongojea. Dieu vous attend. Mungu anamiongojea. Bambele vya dunia nyuma ya dunia nyuma usala bambele ya dunia nyuma mbisi karudia mbisi karudia
Hakuna Mungu mwingine kama mimi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Mimi ni Mungu peke wa haki na anayeokoa. Tournez-vous vers moi. Mnigeukie. Et vous serez sauvés. Na mtaokoka. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Mwe bote benye kumipaka ya dunia. Ah, je suis Dieu. Mana mimi ni Mungu. Et il n'y en a point d'autre. Na hakuna mwingine. Tasimama si sauvés. Tuta omba Mungu wetu kupitia vile roho inatuzungumzia usiku ya leo. Wewe unaona vile ulitembea kila mtu ana mambo ya mimi nilizofikia macho yako ni siku ya wapi? Kama ulitembea macho yako ilikuwa mdunia, Mungu ashipende vile. Kama ulitembea uweze kutumania kukua. Yuko napenda macho yako yote, matumaini yako yote ikuye mbele yake ye Mungu. Uone vile atajifunula mwako maisha. Umudidiye Mungu. Kama kuweza kwa musawa na sauti ya Mungu, mena kusubia leo, sauti ya Mungu inarudisha kila mtu pafasi yake. Inarudisha mwanaume pafasi yake, inarudisha mwanamke pafasi yake. Omba Mungu akusaidie, akongoze, akukangamishe, akupatie kuvumilia. Dini mwingi ya safari tunashia kusema bantu madisposition maro ya bilonekana. Ifo kuevite kwa na madisposition mubaya. Mwenezu kificha mbele ya Mungu, mbele ya bantu, Mungu unayona. Mwingi ya safari itaonekana. Tuluka omba Mungu apate kukusaidia. Ningeshi wote maombi. Baba, mina shukuru jina lako.